Yo tout le monde, c'est Réal et donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, oui, vous ne rêvez pas, vous avez très bien lu le titre, nous allons voir des photos de moi quand j'étais petit. Par exemple, là, je vais vous en afficher une qui est directement sur mon tel. Regardez-moi ça. Regardez ma tête. Même le chien derrière, il est plus beau. Regardez ça. J'ai une tête de psychopathe. Vous êtes d'accord? Regardez les petites dents et tout là. Ah, ça fait bleu. Voilà. Donc là, bon, j'étais en train de lire un livre. Mais comme d'hab, moi, des fois quand je lis des livres, j'ai la flemme de le tenir comme ça. Et depuis tout petit, je fais comme ça. Je le tiens et je le pose et je pose ma tête quand le coussin. Voilà. Donc là, c'était à. Je tire sur les canettes ou quoi? Non. Oh, j'ai eu peur. Donc là, oui, c'était à la fin d'année de mon école. Et du coup, là, j'étais en train de tirer avec une carabine, avec, si vous le remarquez bien, une petite flèche au bout. Une flèche à ventouse. Bah non, c'était pas des vraies balles. Ouh là 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 là, ce dossier. Oh non. Je pense qu'il y a 2 ans de ça, j'aurais jamais été capable de vous montrer ça. Regardez ma tête. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit reflet par hasard? Non. Putain, c'est quoi cette photo? Regardez, j'étais un pissenlit dans la main. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Oh. Wow, et puis là, wow. Oh, regardez-moi ça. Je commence une vidéo, ce putain de fixe de merde. Ouais, grosso modo, arrête de rigoler comme ça. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu vis? Elle m'a raccroché au nez. Et j'ai putain de retrouvé ce bracelet. Regardez ça, c'est le même. Alors, photo suivante. Donc voilà. À chaque fois que j'allais dans les petits Leclerc, vous savez, culture, je squattais le casque pendant tout le temps. Ma grand-mère me disait, tu veux pas t'acheter un petit jeu pour ta DS? Parce que oui, avant j'étais sur DS. Et moi, je m'en battais totalement les couilles. Et what? Regardez mes chaussures! C'est quoi ces chaussures? Oh, wow, c'est, je me rappelle. Avant, j'adorais, mais j'adorais Michael Jackson. Et c'est des putains. Je sais plus comment ça s'appelle, ces chaussures. Des mocassins. Bim, voilà. Je t'ai trouvé, non? Des mocassins, putain. Oh la vache. Ça, pareil, c'est quoi ça? Je suis allongé sur un canapé. Attendez, ce qui est super drôle, c'est pas vraiment ma photo, ma tête, mais c'est des trucs en second plan. Regardez, il y a des quads. On sait pas comment ça se fait. Bon, là, il y a rien, il y a un mur. Ah. Regardez ça. Attends. C'est quoi cette voiture? C'est quoi cette voiture? Je viens de remarquer quelque chose. Je suis en roller dans de l'herbe. Je sais pas si t'as déjà essayé de faire du roller dans de l'herbe, mais ça marche pas. C'est comme si t'essayais de faire du skate sur l'herbe. Ça marche pas non plus. C'est comme si t'essayais de faire de la planche de surf sur du sable. Ça marche pas non plus. Et ben là, le roller sur l'herbe, ça ramasse pas non plus. Et mon frère, toujours aussi content. Voilà. Avec son petit bâton. Ok. Donc là, toujours beaucoup d'imagination, hein. Je me suis fabriqué un masque à partir d'un sac de là où travaillait ma mère. Est-ce que vous remarquez que je suis en train quand même de faire un petit doigt d'honneur là? On va vite passer cette photo parce qu'elle est un peu gênante. Ah.
Il y a la même après, ok. Ok. Je sais pas pourquoi j'avais enregistré ça. Ah, oui. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu il y a pas très longtemps. Avec mon père, on s'était amusé à fabriquer un petit circuit en terre pour des voitures. Voilà, une petite voiture téléguidée, je crois que j'avais. Et on avait pris tout simplement une pelle, on avait ratissé le chemin qu'on voulait faire, et à la fin, ça fait une bite. Je l'ai remarqué il y a pas très longtemps, hein. Le jour même, j'avais jamais remarqué ça. Et regardez comment j'étais petit. Regardez comment j'étais petit. Mon père, il était quand même grimpé à l'arbre pour faire cette photo. Sauf que ça ressemble à une bite. Donc je vais vous expliquer. Ah non, putain, c'est des voitures cars qu'il y avait sur le bord. Donc on partait de là. On faisait. On passait sous un pont, comme ça là. Qu'on avait fait avec un carreau. Un carreau pour les pieds là. Pour les pieds, pour le sol. Ensuite, on passait par là. Et on passait sur le pont. On allait jusqu'au bout. On retournait. Et on refaisait un tour. Et voilà. Je me rappelle, il avait pris une bombe de chantier. Il y a marqué quoi? Cambonne. Je crois que c'est un circuit, un lac de sel. Je crois que c'est un lac de sel où il se passait beaucoup de courses. Qu'avant, on regardait sur Discovery Channel. Oh, watatata, le dossier, le dossier, le dossier. Regardez ça là. Je suis toujours à poil. Et puis j'avais gagné une coupe et une médaille sur un truc de judo. Je sais plus si je l'ai d'ailleurs cette médaille. Je crois que je dois l'avoir dans mon bordel là-bas. On va vite passer. Ça, pareil. Regardez. La photo a été prise en. Détail, pardon. Là, j'ai un peu bugué. 29 février 2012. Et regardez ce qu'il y a au-dessus de moi. Ça, c'était genre le début de la maquette. Ok? J'ai toujours cette maquette que m'avait construit mon grand-père. Du coup, genre, si vous regardez bien, voilà, c'est la même forme de coque. Regardez ça, il y a bien genre l'arrondi à l'avant et puis hop, comme ça à l'arrière. Regardez, il y a bien cette pente à l'arrière, comme ça. Et ça fait du coup, ça fait 6 ans que j'ai ce bateau. Il a un peu subi, hein, regardez ça, avec le socle et tout. J'avais appelé le Titanic 2. Parce qu'avant, j'étais aussi un grand fan des Titanic. Et mon grand-père était un grand fan de Cars. Il a fait des yeux de partout. Regardez ça. Il a regardé Cars pour la première fois de sa vie. Il a fait des yeux sur mon bateau. Il a fait des yeux sur le capot de sa voiture. Je sais pas si je vous mettrai une photo, si je la retrouve. Attendez, je vais juste aller reposer ça. Mais genre, il m'avait fait un hélicoptère, un vrai genre hélicoptère avec du bois et tout. Et voilà. Depuis, je l'ai gardé. Faudrait que je le ramène pour qu'il le revoie. Parce que je suis pas sûr qu'il s'en souvienne. Mais voilà. Petite anecdote, voilà, toujours. Et là, oh, j'avais gagné ma première compétition de judo. Attendez, ça ok. Et regardez ma. À chaque fois, je veux vous montrer comme ça, mais je suis en train de filmer mon écran. Regardez ça. Je n'ai plus les mêmes cheveux. Regardez ça. Maintenant, j'ai les cheveux comme ça. Avant, j'avais des cheveux putain de lisses. En même temps, tous avaient les cheveux un peu lisses. Ok, les amis, donc la petite arrêt sur image, c'est réel, voilà, du montage. Que je vais vous dire, voilà, la petite conversation que j'ai eue, qui était la photo suivante. Ben, je m'en bats les couilles de l'heure où tu te couches, nique ta mère au voleur. Ok, donc là, déjà, je n'ai pas trop compris. Ah oui, ici, parce que sur sa story, il avait mis l'heure où il se couchait. Ensuite, j'ai renvoyé un message, va. Ta mère, la de ta race, espèce d'encul, de gros, de ta mère, la chienne qui pue le tabarnak, mange tes tongs, gros porc. JP, JB, alors tu viens. Ok, donc là le gars je suis en train de l'insulter, je sais pas combien, je crois que j'étais avec les potes. Et puis après je demande s'il vient. Ok, cherche pas à comprendre, et je vous laisse sur la vidéo. Et ben voilà, ben, c'est tout. Donc voilà, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait 10 minutes que je tourne, je pensais pas que ça allait être aussi long. Et je pensais manquer de photos, mais alors que là, non, pas du tout. Voilà. Ouais, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez pas trop été malaisé, hein, par ma tête.
Parce que moi, c'était un peu le malaise, mais bon, ça va, ça va. Un jour, faut bien se dévoiler. Quand on était petit. Hein. Parce que maintenant, comment je pourrais vous montrer des photos de moi alors que vous me voyez en vidéo? Un peu bizarre. Bon, voilà, en tout cas, je vais arrêter de blablater. N'oubliez pas de lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Écrivez-moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et surtout, abonnez-vous, on a passé le cap des 600 abonnés. J'allais dire 600 000, mais peut-être que ça sera pour bientôt. Enfin, bientôt. Un peu longtemps, quand même. Je ne sais pas. Donc voilà, merci pour les 600 abonnés. Et moi, je vous dis rendez-vous aux 1000 abonnés. Allez, ciao tout le monde, c'était Réal. Bye.